Et salut à tous, ravi de vous retrouver sur Dirt Rally et sur cette nouvelle DLC avec entre autres la 9, la 208 sur PikesPeak. Alors Dirt avait déjà son contenu avec PikesPeak et puis les anciennes voitures, si on peut dire les voitures de légende, avec l'Audi Quattro, la Peugeot 405 T16 et la Peugeot 205 T16. Et puis là, Dirt, avec la dernière mise à jour, avec son même temps que l'arrivée sur console, nous propose donc la 208 T16 de Sébastien Loeb de 2013. Voiture que je me suis donc empressé de piloter après donc une mise à jour sur Windows 10 qui m'obligeait finalement à réinstaller Dirt. J'avais pas joué à la DLC de suite et donc j'ai réinstallé le jeu avant-hier et j'ai pu y jouer et tourner cette vidéo. Donc je me suis empressé de piloter cette 208 T16 qui était déjà dans Sébastien Loeb et Beau et puis que finalement je n'ai même pas essayé pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé le jeu, je vais dire pas à mon goût, hein, parce que je sais qu'il y en a qui ont aimé, de toute façon chacun a son avis, moi je n'ai pas aimé du tout, et donc je l'ai supprimé tout simplement de l'ordinateur, sans toucher finalement à cette 208 T16, et c'est donc dans Dirt, hein, Dirt qui est peut-être le meilleur jeu actuellement, la meilleure simulation de rallye c'est sûr, mais après simulation auto pure sur PC, peut-être. Avec donc cette 208 T16, et je dois l'avouer, c'est peut-être tout simplement la voiture depuis que je fais de la simulation auto et avec le G27 notamment, et même avec avant l'ancêtre du G27, je ne me rappelle plus son nom, et bien c'est peut-être la voiture qui m'a posé le plus de problèmes à conduire et j'ai mis beaucoup de temps avant de faire la main. Je pensais vraiment je connais le tracé quasiment par cœur et je pensais vraiment faire une monte assez facile. Et puis je me suis mis dans le décor un paquet de fois. C'est une voiture vraiment très 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 compliquée à piloter. Pas forcément avec la puissance à passer aux roues arrière, parce que c'est vrai qu'on connaît la bête, hein. 1 kg par cheval, 875 chevaux pour 875 kg, un 0 à 100 en 1,8 secondes, hein. C'est absolument stratosphérique, elle marche encore plus fort que finalement qu'une F1, cette 208, et le 0 à 200 en 4,8 secondes. Et je pensais vraiment avec ce châssis de 908 du Mans finalement et cet aileron aussi du Mans absolument démesuré, eh bien je pensais vraiment que c'était une voiture avec beaucoup d'appui, très simple à piloter, il n'en est rien. Et c'est surtout finalement le freinage, hein, qui m'a posé d'énormes problèmes avec eh bien si les vitesses ne sont pas tombées et que la voiture est dans les bons régimes, ce sera tout simplement le tête à queue et c'est ce qui s'est passé plusieurs fois. Avec donc c'est sûr, mais après la boîte, si on met la boîte en auto, c'est beaucoup plus simple. Mais quand vous avez la boîte en manuel, comme Angel et moi-même, eh bien c'est très très compliqué. Eh bien un rapport au-dessus, ça envoyait la voiture dans le décor et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à maîtriser la bête. Et si c'est vraiment aussi bien retranscrit que ça, et je pense que Codemaster a fait un travail absolument exceptionnel sur Dirt. Eh bien, je me dis que Sébastien Loeb, bon, on le savait déjà, mais a une sacrée paire de couilles pour aller piloter cette voiture à la vitesse où il est monté, en exactement 8 secondes, 8 minutes 13, et notamment ce record. Eh bien, ça m'a vraiment encore plus impressionné dans son défi, qui était de défier PikesPeak avec cette voiture. Vraiment très, très, très impressionnant. Véhicule vraiment très compliqué à conduire. Peut-être encore plus compliqué pour ma part, même largement plus compliqué que la 405 T16 de 88 à Riva-Tanen. C'était vraiment, vraiment très, très compliqué. Bon, une fois qu'après on l'a en main, ça va un peu mieux, mais vous avez vu l'IA sur cette épreuve étant maxi, hein, et du coup je perds énormément de temps. Il y a possibilité sûrement d'aller plus vite et après donc ça devient vraiment bien, très très compliqué de rester sur ça tient vraiment sur un simple petit fil. Mais bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à conduire cette 208 T16 quand même si elle m'a donné énormément de fil à retordre.
mais c'était vraiment très agréable sur vraiment un tracé absolument unique au monde, sensationnel, hein. Il n'y a pas de mots pour décrire cette épreuve, c'est peut-être l'épreuve de sport auto ultime, hein. En tout cas c'est la plus vieille avec les 500 miles d'Indianapolis, comme quoi les Américains quand même étaient en avance là-dessus avec les épreuves de sport auto, et c'est une épreuve qui fêtera son centenaire cette année, hein, puisqu'elle a été créée en 1916, et cette année donc, le jour de course ce sera donc le 24 juin, et ça sera donc eh bien, les 100 ans de Pikes Peak, avec notre petit français, notre Frenchy qui est là bien maintenant tous les ans, qui a remporté la course. Il y a un an, ça sera Romain Dumas au volant de la Norma, hein, c'est une espèce de barquette, comme on voit en championnat de France de la montagne et en championnat d'Europe de la montagne tous les week-ends. Une Norma donc, avec lequel il tentera de remporter encore cette épreuve dans la catégorie Unlimited. On retrouvera aussi toujours, hein, comme d'habitude, des voitures absolument exceptionnelles. Il y aura une Nissan GT-R, il y aura une Ford Focus, il y aura une Radical aussi, ça c'est aussi une barquette. Il y aura une Chevy Camaro, et puis on sait aussi que beaucoup de Camaro, et puis on sait aussi qu'il y a maintenant, au-delà des Time Attack Production, des Pikes Peak Open, des Open Wheel, il y a aussi les électriques modifiées. Et donc avec beaucoup de monde à Pikes Peak, hein, on sait qu'il y a les camions, on sait qu'il y a les quads, les sidecars, les vélos électriques. Je me suis dit, hein, moi qui suis un grand fan des États-Unis et du sport auto là-bas, hein, j'adore les sports auto qui pratiquent, que ça soit l'IndyCar ou le NASCAR et entre autres Pikes Peak, qu'un jour je me ferai Pikes Peak dans le Colorado, que j'irai au moins un jour assister à cette course. Ça doit être absolument exceptionnel d'être sur place, l'ambiance vraiment, et puis voilà, c'est ce qu'on aime, hein, ça reste le moteur, chacun crée la voiture la plus avec cette 208 T16, et puis aussi avec la 405. C'est vraiment ça qui me plaît, qui plaît vraiment à tout le monde. C'est vraiment cette sensation d'avoir, un peu comme disait finalement Adrian Newey quand il était encore en F1. C'est vrai que la F1 finalement est quasiment bloquée, on ne peut plus faire réellement ce qu'on veut en F1. Et puis là, bien, ça reste vraiment une discipline où encore il est encore possible de voir des créations venues d'un autre monde avec des bons vieux moteurs, que ce soit du V8 ou du V6 biturbo comme cette voiture absolument exceptionnelle. Donc voilà, pour une très très grande épreuve, donc en espérant peut-être y assister un jour. En tout cas, c'est un rêve dans un coin de ma tête. Donc je vais vous laisser terminer cette magnifique vidéo, hein. Donc là c'est dans le dernier dans les derniers kilomètres du tracé qui va se terminer finalement dans les nuages, comme on dit. Et puis je vais vous dire à dimanche à Suzuka. Donc n'oubliez pas encore, hein, de poster vos questions, hein, pour la course. J'y répondrai pendant la vidéo sur vos questions sur la saison en cours, sur des questions même sur la chaîne, sur l'avenir de la chaîne, sur ce qu'on va faire. J'attends vos questions, j'y répondrai volontiers. En attendant, très bon mercredi à tous et à dimanche pour Suzuka. Allez, salut à tous.